tous, une nouvelle Bonjour. fois, on est content de se retrouver. Bonjour Bonjour Dominique. Jean-Jacques, bonjour à tous les amis francophones. Pour tous ceux qui sont là et qui ont ce bonheur d'être ensemble, en tout cas merci pour ceux qui nous écrivent, qui nous laissent donc un message. Pardon si nous n'avons pas pu répondre immédiatement, mais on prend bien en note en tout cas vos encouragements, vos interrogations, vos questions. Il y a parfois des réponses qui peut-être aussi justifie un petit peu de temps. En tout cas, un grand merci pour cet intérêt tout particulier, c'est vrai, en ce moment, pour la divine volonté et approfondir dans ce mystère de la Et passion de toutes Jésus. ces merveilles aussi que le Seigneur fait dans vos cœurs, nous sommes vraiment témoins du prodige des prodiges, comme dit Jésus, de ce don que Dieu fait à l'humanité, le plus grand des dons, de la divine volonté. Et oui, ces mails, et encore ce matin, des personnes qui disent comment rentrer davantage, comment vivre davantage dans la divine volonté. Eh bien, dans la vie de tous les jours, faire nos actes d'amour, nos actes de réparation, justement, hein, puisque Jésus est cette banque, comme il dit aussi, hein, il a tout fait pour nous, pour que nous puissions entrer en Jésus, Jean-Jacques, et avec Jésus, eh bien, réparer, refaire la vie de nos frères, les hommes, l'offrir au Père, pour accueillir ce don, donc, qui restitue à l'homme sa sainteté originelle, hein, et nous fait revenir, C'est le but, c'est le encore une but. fois, de la passion, l'incarnation du Christ et sa passion. Voilà. Jésus va refaire tous nos actes avec cet objectif vraiment de remettre l'homme dans sa véritable stature, sa dignité, comme dit saint Paul, hein, je ne sais, je crois que c'est au Éphésiens chapitre 4, qu'il retrouve cette maturité de l'homme parfait. Oui, de l'homme parfait. Alors donc Jean-Jacques, on peut dire que c'était pas le plan, la rédemption n'était pas le plan initial de Dieu. La rédemption est quand même le sommet, c'est le sommet, le triomphe de la résurrection qui Oui, va se manifester. la résurrection est le triomphe de la rédemption. Qui va Mais se... ce n'était pas le plan initial de Dieu. Dieu au début ne voulait pas. La rédemption, ça a été le sauvetage, Ah oui, Jésus eh oui, Sauveur. d'accord, oui, de ce point de vue-là, bien sûr. Mais dès qu'il y a eu, évidemment, dès qu'il y a eu cette rupture, puisque le péché originel devient une rupture, l'homme est séparé de par lui-même, il ne peut plus se sauver, il a besoin, il est dans l'attente de l'intervention de Dieu qui envoie son Fils. Alors, Voilà. Mais il faudrait voir qu'est-ce que Dieu voulait avant le plan de la rédemption. C'est-à-dire que pour bien comprendre le projet de Dieu dans sa création, hein, c'était que l'homme reste avec lui, roi, un petit Dieu, comme dit Jésus, hein, en qui tout le cosmos était réuni, ce petit Dieu qui aurait continué à régner sur toute la création avec la divine volonté qui pouvait se bilocaliser en lui, hein, et l'homme rendre à Dieu vraiment tout l'amour qu'il déversait à chaque exactement. instant, à chaque acte, à chaque pensée. Hein, Dieu crée l'homme pour que l'homme soit une correspondance Dieu ne peut pas être à seul, cette ne veut pas plénitude être et à seul. son amour. Donc, Dieu crée l'homme, oui, entre guillemets, on peut le dire comme ça, Dieu crée l'homme pour avoir à travers lui aussi cette réponse, cette communion, cette amitié dont va parler Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, cette amitié qu'il y a entre l'homme et Dieu, ce dialogue, ce besoin, cet appel, cette réponse qui est quand même merveilleux et dynamique dans la vie de tous les jours, savoir que nous sommes en communication, en communion, dialogue continuel. Et on va le voir à travers la méditation de ce passage merveilleux du livre 11, hein, puisqu'on est dans le livre 11, ce livre charnière. On en a déjà parlé dans les volumes de Louisa, ce volume tout à fait particulier qui est assez Qui nouveau récapitule, et qui qui reprend. résume un peu tout ce que l'on peut faire, hein, tout ce que Dieu nous invite à faire dans la divine volonté. Hein. Bien. Et alors donc, voilà, l'homme ne correspond pas au plan que Dieu avait pour lui. Avec sa liberté, il se sépare de Dieu. C'est le péché originel. Et donc, Dieu, dans son amour, a tant aimé le monde qu'il va envoyer son Fils unique, hein, pour
refaire l'homme, refaire son intérieur, payer cette dette d'amour, payer aussi cette usurpation de sa gloire, la dette du péché, refaire ses forces. C'est ce que nous allons lire dans cette triple passion de Jésus, celle de l'amour, celle du péché et celle des Juifs, et Jésus projeté dans le torrent du Cédron le 22 janvier 1913. J'étais immergé en Jésus et je pensais que sa passion spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit, ma fille, ma première passion en fut une d'amour. Car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Évidemment, l'homme ne peut plus aimer Dieu. Hein? Donc nous péchons parce que nous n'aimons pas Dieu. Hein? Et nous n'avons pas cet amour de Dieu en nous. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyé. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Alors là, c'est important, Jean-Jacques, Jésus doit donner la mort à la vie humaine, à chaque acte de la vie humaine, afin de nous donner la vie divine en chaque acte. Exactement. Chaque acte maintenant que nous avons depuis le péché originel n'a plus la divine volonté, puisque nous avons tuer la vie divine en faisant des actes propres à notre volonté humaine. Donc Jésus va mourir pour chacun de nos actes. Mais c'est quand même fou, c'est absolument incroyable. Ouais, pour tous les actes qui ont été commis depuis Adam jusqu'à la fin. Broyé. Broyé. Ça veut dire que la souffrance dans le Christ vient du Père. Et voilà, elle vient du Père, elle est continuelle, elle n'est pas relative aux trois dernières années de la vie du Christ. Il est toujours en souffrance, Jésus souffre toujours. C'est tout le mystère de l'incarnation, puisqu'il refait toute chose. Une petite parenthèse pour dire que Origène, d'abord Cyrille d'Alexandrie et Origène sont les premiers, parmi les premiers à parler de la souffrance de Dieu, c'est toujours délicat, et Cyrille d'Alexandrie va dire qu'il y a une condescendance du Père, de l'amour du Père. Et Origène dira que le Christ va vivre les passions de l'homme, par amour pour l'homme, pour bien montrer... C'était déjà en germe. Voilà, sans séparer la nature, sans séparer le divin et l'humain en une seule personne qu'il y a dans le Christ. Oui, parce que quand on sépare, ça ne marche plus. Exactement. C'est vraiment, on est dans le cœur de l'amour trinitaire qui prend sur lui, comme on l'a dit au début, Dieu crée l'homme pour avoir cette compagnie, cette correspondance. À partir du moment où il n'y a plus de correspondance, l'homme, par le péché, s'individualise, se singularise, il a besoin d'être sauvé, il ne peut pas payer cette dette lui-même. Je crois que saint Thomas disait que en Dieu, sa souffrance était que sa volonté était dans la volonté qui ne pouvait pas avoir et faire et être dans ce mouvement de la volonté qui était contrarié. Donc déjà, il y avait quelque chose. Mais là, on voit bien que ce qui est important, c'est que Jésus a pris tous ses actes d'amour, tous ses actes d'amour qui n'ont pas été donnés à Dieu et qui ont donné mort à la divine volonté, Jean-Jacques. Il les a tous pris et il les a tous souffert. Plus que tout, ça l'écrasa comme s'il était totalement broyé. Oui. C'est-à-dire que comme c'était infini, Christ en agonie aussi jusqu'à la fin des temps, bien sûr, disait Pascal, mais on n'a aucune idée de la souffrance, puisque seul Dieu, le Père, pouvait mesurer la souffrance dans l'humanité jugée, la souffrance de Jésus pour tous ces actes que nous n'avons pas donnés, que les hommes n'ont pas donnés à Dieu. C'est encore Origène qui dit que le Fils est l'amour crucifié, parce que c'est la souffrance, on a, comme tu dis, on balbutie, on ne sait pas quoi dire, parce que c'est proportionnel à l'amour infini, immense, qui est un véritable océan d'éternité à travers lequel Dieu nous aime. Donc la souffrance est proportionnée avec cet amour qui est immense et on a du mal à imaginer. La seule chose qu'on peut arriver à comprendre, c'est que oui, l'homme s'est séparé de cet amour. Et il est devenu dans l'oubli de Dieu, c'est vrai, aujourd'hui. Et donc d'où la nécessité de cette passion qu'on est en train de méditer, de comprendre comment Jésus va nous sauver, nous racheter, reprendre sur lui tous ces actes de l'homme. Comme tu dis, on balbutie vraiment, mes amis, et
Nous sommes, en commençant ce programme, on a vraiment l'impression qu'on parle, on dit des petites choses de quelque chose qui nous dépasse complètement. Complètement. C'est sûr que les écrits de Louisa vont apporter une lumière extraordinaire, hein, sur ce qu'a vécu l'humanité de Jésus, ce que la divinité a fait dans l'humanité de Jésus, hein, et donner une intelligence sur le mystère de la Passion, surtout à travers le récit des 24 heures de la Passion, que nous vous recommandons en ces temps, que vous pouvez trouver en nous appelant, en nous écrivant, en ces temps de Semaine Sainte, bien sûr. Hein, puisque on va comprendre chaque acte, chaque pensée, et on voit combien Jésus a réparé. Parce que, Jean-Jacques, c'était pas aléatoire. On peut pas croire que c'était les bourreaux donner un coup par-ci ou cracher sur Jésus ou lui faisaient le couronner d'épines et que c'était comme ça au libre arbitre de ce qui venait, quoi, selon leur caprice. Non, tout a un sens. C'est-à-dire qu'on voit bien, que la passion du Christ n'est pas simplement une passion extérieure, humaine. C'est ce sur quoi nous sommes normalement concentré. Et j'allais dire malheureusement, dans le sens où parfois la passion du Christ, c'est quelques semaines avant Pâques et puis après on oublie tout. Donc ça, ce n'est pas uniquement la passion du Christ, donc nous voyons sa passion humaine et à travers les 24 heures, entre autres, nous découvrons toute la passion intérieure, cette passion cachée, secrète, qui nous est vraiment révélée, c'est-à-dire la souffrance offerte par amour de Jésus pour nous dans tous ses actes, dans toutes ses intentions. Donc ce livre est merveilleux, c'est vrai, parce qu'il reprend à la fois, je dirais, toute la vie du Christ qui est vraiment cette passion d'amour. Et il donne un sens, surtout, ce que je trouve ça très éclairant et qu'il faut le dire, il donne un sens à ce que vous et moi, nous vivons et à ce que nous pouvons souffrir. Toutes les souffrances les plus infimes, les détails des contradictions de notre vie s'illuminent et prennent un sens aujourd'hui avec Jésus. Et si nous mourons avec lui nous vivrons, dit la deuxième à Timothée, chapitre 2, verset 11. Donc Jésus vient nous prendre la main et nous amène à la croix. C'est nous qui mourrons dans le Christ. C'est notre volonté humaine qui a mis à mort la divine volonté, qui trouve la mort sur la croix. Finalement, c'est nous qui sommes sur la croix. Jésus nous prend. Et il le dit déjà dans l'Évangile, puisque déjà dans l'Évangile, hein, si quelqu'un veut venir à ma suite, hein, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus nous conduit sur le mont Calvaire. C'est-à-dire, hein, c'est sa passion et notre passion. Hein, la passion du Christ est notre passion. Sa montée au Calvaire est notre montée au Calvaire aussi. Voilà. Et chaque fois qu'on se sépare de cette vérité, ce n'est plus la vie chrétienne. On imagine un moment de passion, non? La vie de Jésus, c'est notre vie, sa passion, c'est la nôtre. Nous le suivons avec lui, nous mourrons à la volonté humaine pour renaître dans la divine volonté. Et c'est là où on peut bien comprendre aussi que ce Jésus qui nous prend la main nous demande de nous aider. Déjà, Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'il se fait mendiant d'amour. Hein. Il mendie notre amour. Et on le voit très, très bien dans tous les écrits de Louisa. Jésus, d'ailleurs, la première parole, la vision initiale qu'a eue Louisa quand elle était adolescente. Aide-moi, âme, aide-moi, en voyant Jésus portant sa croix. Donc, mes amis, aujourd'hui, c'est vraiment Jésus qui nous appelle, qui vous appelle à l'aider, à le consoler en embrassant sa croix, en méditant. Quand on pense que Jésus a promis que chaque fois que nous méditons avec amour la passion, hein, dans les 24 heures, nous reproduisons, hein, sans avoir de douleur physique, bien sûr, nous reproduisons totalement sa passion. C'est-à-dire que la divine volonté vient faire en sorte que nous puissions offrir au Père la passion du Christ multipliée. Donc à chaque âme, c'est une multiplication. C'est comme les hosties, hein, dira Jésus aussi, qui se multiplient au moment de la consécration. Hein. Et on a du mal, parfois, c'est un aspect qu'on ne voit pas bien.
que Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. C'est-à-dire qu'il va nous appeler à vivre avec Bien lui. Sûr. Ce n'est pas, vous voyez, une participation subie, résignée. C'est une participation volontaire. Je complète en ma chair ce que dit saint Paul. Ce qui montre bien que, oui, on va dire, des fois on dit dans certaines théologies, etc., enfin certaines, oui, Dieu nous a sauvés, ça y est, c'est réglé, tout est... Ben, Dieu, oui, nous a sauvés dans l'absolu et nous invite à accueillir et à participer. Voilà, donc nous continuons. Alors, je voulais préciser un petit peu ce que je disais par rapport... Saint Thomas définit la souffrance comme un mouvement de la volonté désirant quelque chose qui n'est pas, hein, ou un rejet de la volonté. Bon, à ce moment-là, Dieu veut que l'homme soit avec lui, mais l'homme ne veut pas. La divinité, hein, doit donc extérioriser cette souffrance, bien sûr, puisqu'elle est rejetée par l'homme. Nous rejetons Dieu dans tous nos actes, hein, pas seulement les actes pécamineux, chaque fois que nous faisons notre volonté propre, hein, ou ce que nous voulons sans le consulter, comme si c'était normal, quoi, hein, voilà. Hein, et la divinité va extérioriser cette souffrance et va le faire à travers l'humanité de Jésus. Voyez, donc on ne peut pas séparer l'humanité de la divinité. Bon. Tout ce que vit l'humanité a un écho, une répercussion et se vit d'une certaine manière dans la divinité. Et ce que vit la divinité se manifeste aussi à travers l'humanité de Jésus. Hein? C'est pour ça que la Semaine Sainte va être vraiment cette grande présentation, hein? Cette grande mise en scène liturgique, hein? Où nous allons voir de nouveau, hein, ce qu'a fait extérieurement le Christ, c'est-à-dire Dieu pour nous. Pour nous émouvoir et nous faire revenir ça. À Dieu. Ce que nous voyons, c'est nous nous centrons souvent sur la passion humaine de Jésus. Et elle focalise souvent un peu ce temps liturgique, alors que la passion du Christ inclut cette passion humaine et cette passion cachée intérieure du Christ. Qu'on trouve dans Louisa, surtout. Qui hein, reprend, puisque... effectivement, et qu'on trouve dans Louisa, et dans les 24 heures dont on dans a parlé. Dans les 24 heures. Dans ce fameux livre qui nous aide à vraiment méditer et à comprendre tout ce que le Christ a vécu avec nous. Il nous fait participer en vivant cette correspondance de réponse que l'homme peut avoir avec Dieu et qu'il prend sur lui tous les actes humains. L'homme ne peut pas se racheter lui-même, il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas payer la dette. Il a besoin donc du Christ. Alors, il a besoin de la divine volonté qu'il va prendre dans le Christ pour pouvoir en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Oui, d'où cette passion extérieure, humaine, et cette passion intérieure. Et bien comprendre que c'est vrai, la passion, cette participation à la passion du Christ, elle est continuelle, elle est constante. Le Christ en agonie jusqu'à la fin des temps, comme disait Pascal. Et il faut dire quand même que jamais, et Jésus le dit, tout ce que je te dis, tu pourras chercher dans la vie des saints, dans les doctrines, tu ne le trouveras nulle part. Donc le troisième fiat, hein, la vie dans la divine volonté, à travers les 36 volumes de Louisa, nous révèle ce que la divinité a fait dans l'humanité. C'est-à-dire, hein, même bon, si nous avons eu des stigmatisés dans l'histoire de l'Église, hein, Saint François, Marthe Robin, plus proche de nous, Padre Pio, hein, c'est quand même une sainteté extérieure, une souffrance extérieure. Mais à partir de Louisa, nous entrons dans les souffrances intérieures de Jésus, qui nous fait voir qu'il nous appelle, viens avec moi, prends ta croix, je t'amène là où j'ai été pour que tu m'aides. C'est Jésus qu'il faut aider. D'une certaine manière, c'est Jésus qu'il faut sauver. D'où l'idée, déjà dans le livre d'Isaïe, on le retrouve, mais consoler mon peuple. C'est consoler Jésus, c'est apporter. C'est étonnant de réaliser ça, mais Jésus a besoin de nous à cause de cette correspondance et il nous fait participer, il nous fait entrer dans cette véritable communion où nous devenons avec lui un moyen de consolation, de réparation. Tous nos actes que l'on peut faire deviennent, ont une portée parce qu'ils sont unis à la passion de Jésus, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et à la divine volonté. Hein, donc ils ont une portée infinie. Hein. Bon. Alors, nous allons reprendre, il me donna, la passion de l'amour. Il me donna autant de mort, donc seulement le Père peut mesurer jusqu'où a été la souffrance de Jésus, autant de mort qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Hein. Toutes les vies que nous recevons, toute la vie que reçoit la créature a coûté une mort à Jésus. Une deuxième passion fut celle... pour les péchés, le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi pour réparer
Pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Chaque péché ont causé à Jésus une passion, donc une mort. C'est-à-dire que Jésus explique à Louisa qu'il n'est pas mort seulement une fois sur la croix. Il mourait à chaque instant et la divine volonté lui donnait la force de revivre. Et il mourait à chaque instant et la divine volonté lui donnait la force de lever. C'est la volonté. Il mourait à la volonté humaine, donc qui était continuellement, c'était une renaissance pour chaque vie, pour chaque pour péché, pour donner la divine volonté. Pour chaque vie, voilà. Pour chaque vie que nous avons usurpée à Dieu, pour chaque acte d'amour que nous n'avons pas aidé à Dieu, Jésus donnait une vie. Père, si vous voulez. Chaque péché me causa une passion particulière. Je souffris autant de passions qu'il s'est commis de péchés. C'est absolument incroyable. Et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi, la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre, ça c'est la troisième passion. Chez l'homme, je voulus souffrir ma passion par la main des Juifs, ma troisième passion pour restaurer à l'homme sa force perdue. Ben ça, la troisième passion, c'est la seule qu'il ne pouvait pas être provoquée, si je peux dire, par la divinité. C'est-à-dire les crachats, les moqueries, les coups, les offenses, les blasphèmes, ça, Dieu ne pouvait pas le donner à l'humanité de Jésus. La divinité ne pouvait pas le donner à l'humanité de Jésus. Donc ça vient de la part des hommes et c'est pour sauver l'homme et refaire en l'homme cette faiblesse qu'il a reçue depuis la séparation, depuis le péché originel, qui est la concupiscence. C'est-à-dire que tout dans l'homme est tourné vers lui, tout dans l'homme ne devient qu'au service de sa volonté humaine, tout dans l'homme ne devient que faiblesse. Oui, voilà. Donc ce besoin, cette nécessité que l'homme doit avoir et qu'il a de trouver dans le Christ cette une force nouvelle qui va lui permettre justement de passer de cette volonté humaine qui le conduit uniquement à sa perdition, à la divine volonté. Donc commencer à agir avec lui et en lui dans la divine volonté. Dans la divine volonté. Et c'est une passion, c'est toute la vie intérieure, toute la participation à la vie personnelle de Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le règne de la divine volonté, c'est que toute notre vie est assimilée. C'est du reste une des raisons pour lesquelles on entend souvent Jésus dire à Louisa « immerge-toi en moi » pour bien montrer que la vraie vie dans la divine volonté, c'est cette immersion. Chaque fois qu'on s'en sépare, eh bien, on est comme dans beaucoup le monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'oubli de Dieu. Aujourd'hui, on est dans l'oubli Dieu. Oui. Et donc, Dieu étant oublié, on vit sa vie propre, personnelle, esclave de sa volonté humaine. C'est un peu une idée de Dieu encore, mais Dieu pour beaucoup de nos chrétiens, de nos catholiques, même, est un mythe. Enfin, pour certains. Après, il y a une espèce d'idée de la divinité où on va faire des choses pour Dieu, des pratiques, de la piété de temps en temps pour être bien avec Dieu, pour qu'il nous apporte quelque chose. Mais en fait, très très peu connaissons Dieu. C'est ça. C'est un peu dur ce qu'on dit. C'est un peu dur, mais je crois que Jésus dit à Louisa, il y en a un tous les 10 000. Oui. Donc un tous les 10 000. Et je pense à une autre parole de Jésus à Louisa où il est dit, il y en a très peu. En parlant de ceux qui accueillent le plan de Dieu et la volonté divine, et ils sont peu nombreux. Est-ce pas grand et le grand? Oui, mais déjà c'est dans l'Évangile. Large est le chemin qui conduit à la perdition, et beaucoup le prennent, et resserré le chemin qui conduit à la vie, étroit, et peu le trouvent. Ça, c'est une réalité déjà que nous avons. D'où la nécessité, mes chers amis, de le prêcher, de l'annoncer. De le vivre sans désespérer et d'être vraiment des apôtres, n'est-ce pas, Des apôtres et des témoins du règne de la divine volonté et d'aider Jésus. Maintenant, donc, nous changeons, nous voyons combien Jésus, puisqu'il nous donne sa vie, puisque dans la divine volonté, nous allons vivre la vie de Jésus depuis sa conception jusqu'à sa mort. Chacun d'entre nous est appelé à consoler Jésus, à aider Jésus, à vivre avec Jésus cette passion d'amour pour restituer l'homme, pour participer avec lui à cette restitution de l'homme.
Et c'est là où il y a notre oui. Vous voyez, ce n'est plus Dieu qui vient nous servir, c'est Dieu qui nous appelle. Et nous avons tout ça dans l'Évangile. Hein. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Ça y est. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée, hein, et replacée à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée, replacée à son niveau. 2 Timothée 2,11 « Si nous mourons avec lui nous vivrons ». C'est ce que dit saint Paul. Oui. Donc nous participons avec lui et nous avons cette vie nouvelle que Dieu nous donne. « J'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, c'est ce qu'on disait, c'est pas donc une mort, Jésus mourait et par la divine volonté revivait, hein, c'est des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Ensuite, je portais ma réflexion sur le moment, je crois que c'est bien de terminer avec ça pour, sur ce moment dans le torrent du Cédron, sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un état pitoyable, tout détrempé de ses eaux nauséabondes. Il me dit, ma fille, en créant l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Ça, il faut dire quelque chose ici, que dans d'autres passages, on n'a absolument pas idée de la beauté de l'âme humaine. La beauté de l'âme humaine, à l'image et à la ressemblance de Dieu, est infinie. Hein, presque, on peut dire comme Dieu. Et nous avons divine. Ça dans saint Jean de la Croix, hein, que c'est une description dans la montée du Carmel de la beauté de l'âme et des poèmes. Dans ces poèmes aussi, on n'a aucune idée de la beauté, de la dignité de l'homme. Hein. Et justement, c'est une conséquence du péché qui nous voile, c'est un voile que nous avons qui nous empêche justement de voir, de réaliser cette beauté, cette merveille de la nature humaine, comme dit le psaume, merveille que je suis. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a ce voile, et le voile tombe dès qu'on commence à entrer dans la divine volonté, ce voile tombe, et nous commençons à nous émerveiller comme nous nous émerveillons, et nous voyons l'omniprésence de Dieu en toutes choses et en tout temps. Dieu purifie nos cœurs, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Avec cette Je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent du Cédron, où je fus comme enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur. Puisque ces eaux putrides entrèrent même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. On voit toute la signification. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Ah, combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, on voit bien dans ce passage, justement, l'amour crucifié, comme disait Origène, le Christ qui prend, qui porte, qui absorbe tout ce qu'il y a de cette esclavitude, de cette horreur et des conséquences de la volonté humaine sur nous-mêmes, de toutes nos passions. Oui, eh bien, c'est bien peu de choses que nous vous partageons, mes amis, c'est même très peu. C'est Dieu lui-même qui ira dans la mesure où vous êtes disposés. Jésus insiste beaucoup sur cette disposition, sur votre oui total, et où vous accueillerez cette divine volonté dans vos vies. C'est dans cette mesure qu'il vous donnera sans mesure. Il vous fera comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour qui dépasse absolument toute intelligence. Que vous puissiez vivre cette belle semaine sainte, en vivant chaque moment, chaque instant, unis à cet amour infini c'est le sens du Christ de notre vie. Qui nous sauve et nous restitue vraiment à ce à quoi nous sommes appelés. Voilà, qui nous redonne ce rang, cet ordre et cette fin pour laquelle nous avons été créés, pour faire la joie du Père, pour le réjouir à chaque instant avec toute sa création. Accueillons pleinement la rédemption de Jésus, faisons nôtre tous ces trésors de grâce qui sont dans son cœur, laissons-nous transformer, devenons sa prière, devenons
la consolation qu'il donne au Père, devenons aussi sa souffrance et retournons vers notre Dieu qui nous appelle. Bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Père, le Père, Fils, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.